Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Interview avec qui? Création Awakening. Ah, j'ai trop de... Oh non, terrible. Que personne ne s'inquiète. Nous allons enlever... ça. J'en ai 89. C'est un peu long. Mais du coup, j'ai eu un nouveau type d'objet, et ça, c'est beau. Parce que lui, c'est des objets rares qui filent quand même. C'est pas de la gnognotte. J'aurais dû faire le forgeron d'abord, parce que j'avais peut-être moyen de faire du craft. Parce qu'on utilise des objets. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut créer? Officier, c'est l'armure que j'ai en ce moment. Et monarque, super quoi. Est-ce qu'il y a des évolutions que je peux faire? Non. L'annihilateur. Ok. Je le vis bien, mon gars, y a pas de souci. On va sauvegarder quand même. Hein. C'est passé beaucoup de choses. On a fait une vidéo quasiment. Bon, non, même pas quasiment. On a fait une vidéo dans dans le village. Full village. Voire même plus. Mais après, en même temps, il y avait beaucoup de dialogues. Il y avait l'avancée de l'histoire. Très bien. Alors, allons-y. Le Petros. On est avec Soma, Ibki et Fugaku. On va bien sûr envoyer nos meilleurs amis faire cette mission. Ah oui, maintenant on peut avoir Yamato et Rine. C'est vrai, j'avais oublié. Maintenant on peut sortir Yamato comme on veut. C'est ouf. C'est extraordinaire. Courage et harmonie. Harmonie et courage. On va mettre Yamato. Hein. Yamato, il va lui montrer. Il va nous découper tout ça, là. Ah, oh, c'est trop fort. On donne des... Ça n'a aucun sens, hein, mais on donne des ordres à Yamato, maintenant. On lui dit, bah, tiens, va faire ce boss. Et il fait, oui, chef. Ah, il faut qu'on trouve le monstre. D'accord. Alors, je vous propose... Petite proposition. On va faire 8. Ensuite, on va faire 4, 9. Parce que 9, c'est quand même un bon candidat. Et ensuite, on va faire le tour. 5, 6, 2, 3, 7, 1. Moi, je parie sur le 6. Hein, pour ça clair. Alors, est-ce que j'avais raison? Oui, je suis un malade. J'ai pas de limite. Le loto, c'est maintenant. Et c'est vrai que je suis de type esprit maintenant. Ah oui, non, mais c'est vrai que je ne garde plus le remplissage de la jauge non plus. Malheureusement. Donc, lui, c'est quoi? C'est. Corne, bras, pied, standard quoi. Ah oui, c'est le mec qui il se transforme après et il peut faire Sonic. C'est vrai. Il avait bien dû à la dernière fois. Oh là, vraiment? Mais Soma, il est ouf, hein. Contre les boss, il est abusé. Excellent. Oh non! Je pensais pas qu'il m'attendrait. Je suis tellement surpris! Incroyable, incroyable, je me joue de lui. Il est perdu. Il est complètement perdu.
ça récupère. Sorti. Ok, nice. Belle fontaine. De la fontaine. Ah, c'est l'autre bras qui auto-purifié, terrible. Ils l'ont eu. Félicitations. Et c'est vrai que c'est poursuite qui a amélioré chez moi. Plus de dégâts et je récupère de la vie. Ah, c'est vrai que j'ai Ibuki qui est aussi de type esprit avec moi. Incroyable, ouais, double esprit. Oh, compétence d'équipe. Oh. Il prend cher. Je dirais bien, y a pas à dire, mais je viens de le dire. Il prend cher. Voilà, malgré son incroyable move. Hein. Ça, c'est le move que t'as envie de le faire quand tu te lèves le matin. Là, il est en mode. Je peux pas vraiment me lever, mais il faut que je bouge. Après, ça dépend comment vous dormez. Moi, je m'endors sur le ventre et je me réveille sur le dos. J'ai dit qu'il s'est passé des choses dans ma vie, mais. Avant, je m'endormais sur le côté. Les choses ont changé. Plus n'est comme avant. Oui, j'ai pas dit plus rien n'est comme avant. J'ai dit plus n'est comme avant. Nouvelle version de l'expression. Alors, je sais pas, est-ce que je garde ma compétence d'arme pour son évolution du coup? Est-ce qu'il va bientôt évoluer? C'est la question. Peut-être à 50% de vie. Parce que ça me permet de lui péter. Directement les membres quand il devient Sonic là, ce serait pas mal. D'ailleurs, Nevia a reçu sa carte de capture aujourd'hui. C'est extraordinaire. On va pouvoir capturer sa Switch. On va pouvoir jouer à tous les jeux que je Switch du monde. C'est vrai que bon, il y a quand même le jeu Switch, mais derrière, il y avait le côté, oh, j'aimerais bien le streamer, ainsi de suite. Et ben voilà. Elle peut tout faire maintenant. Oh, il est insupportable sous cette forme. Détestable. Ah, il est fort. Faut que je m'habitue. C'est pas le même. C'est pas le même niveau de combat quand il évolue, clairement. Il se réveille, quoi. J'ai failli crever. Hein. Ok, je suis en vie. Tout va bien. Ok, pas mal. Non mais là je suis pas d'accord par contre. Hein. Enfin, j'étais pas sur lui là, si? Franchement, entre nous. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. Non mais le mec, il fait des AOE avec ses points. C'est obligé là. Des AOE que je devrais voir et que je vois pas. Nice. Ok, plus d'équipe, c'est le moment. Oh. Ah, si ça lui permet d'éviter qu'il fasse des gros coups. Comme un Dragon Ball, hein, mais sans gros coups. Ça me sauve la vie. Ah, il fait quand même ça, hein. Égal 0.
mec est beaucoup trop en colère. Vite, vite, vite. C'est bon. Ok. Wow. Ce plongeon était impressionnant. Ok, on l'a presque. J'y vais mollo hein, parce que sa deuxième forme est quand même bien méchante. Dit-il en faisant la toupie, jusqu'à ne plus avoir de stamina. Non mais ça par contre... Ah oui non mais là je le vois là, il fait des traînées dans le sable, dans la terre. Et les traînées qui partent dans différentes directions. Ah mais il faut les voir hein. Vache. Ok, faut que je fasse gaffe à ça. Attention à ça, hein, parce que la roulade la dernière fois, ça a pété quasiment toute notre équipe. On a failli perdre le combat alors qu'on était à la limite de la victoire. Oh bah, très bien, j'allais envoyer un projectile. Ibuki a tiré avant moi. Un nouveau Mitama, cool. La nouvelle vague de Mitama qui est en train de tomber. Est-ce qu'on va recevoir un Mitama par mission? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air bien parti pour cette session, hein. Parce que c'est vrai que dimanche, les Mitama ont eu du mal à tomber. Hein. Je crois qu'on en a eu deux pendant toutes les sessions de dimanche. On a quand même joué pas mal. Et là, on en est déjà à deux. Alors qu'on a joué une heure. Voilà, la All Part Bonus, un truc de niveau 6. Ça commence à me... Hein. Histoire de place. Ça me zut. On va enlever ça. Oh, une carpe. Alors, quelle illusion est-ce que tu veux voir? Une carpe? Alors, il trouve des trucs, hein, mais c'est pas ce que je veux. Le bâtard, on a trouvé un nouveau truc. Ah oui, non, ça, d'accord. Voilà. Nous, il nous fallait quoi, la Golden Blade et je sais plus, c'était le Fang ou le... Ou un autre truc. Hein. Le Beast Fang. Le Beast Claw. Celui qu'on n'a pas, quoi. Mais qu'on finira par avoir. Bien entendu. C'est la vie. L'histoire de la vie. Allure. Il a shy. Alors, plus 1 en poursuite. Est-ce que je garde knowledge? J'en ai pas besoin pour le moment. Et de toute façon, nous ne sommes intéressés que par le court terme parce que quand on arrive niveau 12, on peut choisir toutes les compétences qu'on veut. Donc, à partir de là. Y'a pas de soucis. Might. Might, on s'en fiche pour le moment. Fontaine, stock plus 1 à la place de Knowledge aussi. Carnage. Mine.
Ok. Yes. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire? On a combattu un Oni quand même assez balèze. Visiblement non. Et c'est quoi, c'est le... Ah non, le Feng on l'a, c'est bon, énorme. Shadow Flame, il faudra faire du Cotonian Field. Golden Blade, pardon. Par contre, pardon, c'est ce qui nous reste encore à voir sur le... sur Jean-Claude, là. Qui ne veut pas venir, hein. C'est assez incroyable. Genre, on l'a pas vu une seule fois. Et pourtant, j'avais fait la recherche. Chercher sur internet, hein. Pour vous dire. Est-ce qu'il y a un journal? Il y a un journal. La vache, il y a 115 journaux, on n'y arrivera jamais. Alors, sixième article du Utakata News, le village des Slayers ici à Utakata, dans la bordure la plus à l'est des Midlands. Tout se passe remarquablement bien. Les gens se tiennent là pour parler les uns aux autres en plein air. Prenez ce qu'il dit avec des pincettes, nous dit le garde de village. Alors... en parlant du Slayer qui se tient derrière lui. Ici, les villageois et les Slayers sont même très proches. En fait, tout le monde dans le village rit, fait des blagues et même pleure ensemble. Après l'Awakening d'il y a 8 ans, beaucoup ont été forcés de se déplacer vers Utakata, formant un... qui était auparavant un village purement fait par des Slayers. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris des choses à propos des Slayers, qui ont jusqu'à présent vécu dans l'ombre de l'histoire. En peu de temps, cependant, ils ont commencé à se rendre compte... qu'il y avait bien plus de choses à apprendre sur les Slayers que leur guerre contre les Oni. Ils ont commencé à apprendre la vie avec eux. La troisième compagnie. Durant la bataille des 7 jours et nuits de l'Awakening d'il y a 8 ans, beaucoup de Slayers ont fini par mourir. Au nord se trouvaient les vaillants démons bleus, les Blue Demons, et les terreurs blanches, les White Terrors. À l'ouest, les Swift Feet, donc les pieds pas agiles, mais les pieds légers. Et à l'est, les Red Masked Battalion, le bataillon des masques rouges. Se sont tous combattus avec ténacité. Mais peut-être la brigade la plus fameuse d'entre toutes est celle de la 3ème compagnie des 100 Demon Corps, basée au Holy Mount. Tout le monde sait que le capitaine Soma a eu un succès incroyable. Ce qui est un peu moins connu est que la 3ème compagnie a en vérité été détruite pendant l'Awakening. C'était tous des imbéciles, bien entendu, mais on faisait une bonne équipe. Maintenant, le capitaine Soma, qui a refusé toute interview par le passé, a donné à ce journal un accès exclusif à ses pensées les plus privées. Oh là là,